Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre tuto du Artbook Collector. Donc, je vous rappelle qu'on avait effectué ensemble la première partie, donc qui était la pochette. Donc, si vous avez suivi le tuto, vous pouvez remarquer que par rapport à ce que j'avais fait, eh ben, j'ai rajouté le petit nœud et la petite fleur au milieu, parce que j'ai trouvé que les couleurs s'accordaient très bien. Et donc aujourd'hui, nous allons faire l'ABC en elle-même. Donc l'ABC, qui est une Art Book Collector, je vous le rappelle, elle doit mesurer 8 de large sur 20 de haut, et au dos figure donc les coordonnées de la personne qui les a faites, et elle doit comporter une pensée positive. Donc j'ai rien pour cacher mon adresse. Hop là. Voilà. Donc en haut est inscrit Art Book Collector. Dans la partie ici, la personne qui reçoit l'ABC doit y coller donc les timbres qui figurent sur son envoi. Donc, en toute logique, ils sont oblitérés. Et elle doit mettre la date de réception de son artbook. Dans la partie, donc la deuxième partie, donc la partie du dessous, figurent donc les coordonnées de la personne qui a fait l'artbook, donc de l'envoyeur. Donc pour moi, il s'agit donc de Karel Scrap pour l'auteur. J'ai une chaîne YouTube donc que j'ai spécifiée. Si vous avez donc une page Facebook, un Instagram ou toute autre chaîne ou blog, donc vous le mettez. Et ensuite, vous mettez comme sur les Memorydex vos coordonnées, votre adresse. Et dans la troisième partie, donc celle du dessous, figurera une pensée positive que vous souhaitez délivrer à la personne qui va recevoir votre ABC. Donc moi, celle que j'avais fait pour le concours de Natacha Scrap est celle-ci. Et donc, nous allons en faire une ensemble qui va donc aller dans la petite pochette que nous avons fait dans la première vidéo que je vous refais voir. Donc cette fois-ci, plutôt style chabi. Donc pour ce faire, j'ai découpé un papier de cardstock noir de 8, je vous redonne les dimensions, par 20. Et derrière, j'ai déjà commencé, j'ai collé en fait mon papier d'artbook. Voilà, parce que comme après il risque d'y avoir du volume, j'ai peur que ce soit compliqué, donc je l'ai un petit peu modifié. Donc là, j'ai remis Artbook Collector. Là, j'ai mis un petit timbre, donc fait maison pour toi. Vous, vous y mettez ce que vous voulez, et après, vous pouvez ne rien y mettre, hein, juste laisser vierge. Reçu le. Donc, il y a toujours donc mes coordonnées, ça n'a pas changé. Et en dessous, la personne qui le recevra aura donc en pensée positive, le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Voilà, donc ça sera pour le dos de mon artbook. Je l'ai coupé ma petite. J'en ai fait un autre, je vais vous le faire voir, je vais prendre les dimensions dessus parce qu'il n'est pas collé, ça va être plus simple. Voilà, donc cette fois-ci, vous voyez le petit cachet, le tampon est différent. Et donc, il fait 7,5 par 19,3. Et là, j'ai marqué think positive, feel positive, live positive. Donc, penser positif, vivre positif et se sentir positif. Voilà. Donc, j'en ai préparé d'avance. Sur une page A4, vous pouvez en mettre 3. C'est pour ça que j'en ai plusieurs. C'est parce que j'en ai préparé
pour mes prochains envois. Voilà, tout simplement. Donc, j'avais préparé, il y a déjà quelques temps, j'avais fait des fonds patouille. Et je pense que je vais en utiliser un. Donc, que j'ai découpé à 7,5 sur 19,3. Donc, voilà mon fond patouille que j'ai fait. Vous voyez, c'est irisé. Donc, que j'ai fait avec les aquacolores pour le rose, en tout cas le plus clair de chez Action, donc c'est ceux qu'on avait dans les petits flacons. Et pour le vert, j'ai utilisé deux verts différents. J'ai utilisé le bleu vert que m'avait mis Lily dans mon colis d'été. Voilà, pour le un peu plus foncé. Et le côté irisé, donc c'est celui-ci. C'est le vert clair perlé. Donc si vous voyez dessous, il y a le côté nacré. Donc il faut bien les secouer. Et donc, c'est avec celle-ci que j'ai fait mon fond patouille que je vais utiliser. Donc, ça, je vais le mettre de côté, histoire de ne pas le salir. Je vais prendre une feuille et c'est parti. Ah, je vais peut-être vous dire ce que j'ai prévu d'utiliser. Donc, ça, je n'ai pas prévu de les utiliser, mais je les ai sortis pour que vous puissiez les voir. Je ne sais pas exactement ce que je vais prendre et pas prendre. Donc, un morceau de twin et un petit ruban vert donc, qui est le même en fait que sur ma pocket. Un morceau de compresse que j'ai sorti, je ne sais pas si je l'utiliserai ou pas. Mes sparkles, donc celle-ci, c'est les Diamond Dust de chez Amazon et les sparkles que m'avait envoyé donc, Lily avec la collection Amazonia. Du gesso, je pense que je vais en mettre sur les bords. De la crackle paste couleur or, pareil que j'ai trouvé sur la boutique de Lily. Qui, elle, craque. Je ne sais pas si je la ferai craquer ou pas, on verra. Et un pochoir pour mon fond. Et ensuite, plein de découpes et de fleurs. Voilà. Donc, et ben, c'est parti. Est-ce que j'ai un couteau? Oui. Donc, on va commencer avec la crackle paste couleur or. Je vous mettrai certainement en pause le temps que je fasse mon heat gun parce que je trouve pas que ce soit très agréable de vous imposer ça. Donc, bon, on verra. Et puis ça va dépendre du temps que je mets aussi pour faire parce que je vois que j'ai pas encore commencé, on en est déjà à 8 minutes. Je parle. Donc là, il s'agit de la crackle paste de ces Stamperia. Donc je vous le redis, c'est la couleur or que j'ai choisi d'utiliser. Parce que ça ira bien avec les tons irisés de mon aquacolore.
Je vais le mettre pour pas que ça me gêne. Donc, je vais faire sécher ça et je vous reprends de suite après pour vous faire voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai séché, pardon, mon travail et pour le moment, le fond donne ceci. Vous voyez, ça fait déjà bien sympa. Maintenant, j'ai décidé de prendre du gesso pour en mettre en fait tout le long de ma carte. Allez, je vais refaire pareil. Je vais vous abandonner le temps de faire sécher ce que je viens de faire. Donc, voilà. Alors, maintenant. Maintenant, j'ai préparé des découpes. Donc, je pense à mettre, utiliser, comment, je sais pas trop. J'ai sorti. Alors ça, c'est des coupes de feuillage que vous m'avez envoyées. Et pareil, que j'ai colorisé. Je sais pas si on va les voir. Je vais vous mettre sur le noir. J'en ai colorisé une partie avec les watercolors, justement. Les encres que je viens de vous faire voir. Celles-ci, on voit bien. Voilà. Donc, j'en ai colorisé pas mal. Enfin, pas mal. J'en ai fait quelques-unes. Donc, voilà. Tout ça, c'est des feuillages. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Un peu grande. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Alors, par contre, évidemment, hop là, je suppose que ça va être bouché encore. Celle-ci.
Donc là, je prends ma colle toute fine. Donc, c'est pas mal. Là, j'avais mis sur ma découpe, pardon. J'avais mis du scotch 3D, du coup, pour surélever un petit peu ma découpe, justement pour pouvoir y mettre mes feuillages dessous. Donc, on va enlever toutes les petites opercules et on va les mettre de la colle. Et donc là, on essaye d'être propre du premier coup, voilà, pour ne pas avoir à tout rebouger. Super. Donc là, je mettrai quelques points de colle derrière. Je vais mettre tout de suite d'ailleurs quelques points de colle derrière mes feuillages. Après, il faut pas que ce soit collé à la carte, hein. C'est bon, c'est pour que ça tienne, quoi. Donc des petits points suffisent. Alors, je vais juste prendre ça pour appuyer un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Pour le moment. Donc au niveau des feuillages, je pense que j'en aurai pas besoin de plus, à moins que j'en mette après, donc sous mon papillon. Donc là, j'ai choisi d'y mettre un petit papillon. Je vais donc y mettre un petit peu.
J'aurais dû déchirer dès le départ. C'est pas beau quand c'est tout, tout droit. Un peu parce que ça fait trop régulier. Même trop grand. Hop. Ça va me suffire. Donc là, je vais mettre mon papillon par là. Là, on va mettre de la colle. Ça, c'est un petit papillon que l'une d'entre vous m'a offert récemment, que je vais utiliser sur la carte. Donc, je ne sais plus qui, parce qu'avec les envois du concours, j'ai eu pas mal d'envois dernièrement, et du coup, je ne me souviens plus qui me l'a fait. Voilà. C'est pas bien, mais pourtant, c'est la vérité. Donc là, on va appuyer un petit peu le temps que ça prenne. Je pense que sur mon pot de fleurs, je vais certainement. Ah, ça colle, j'ai encore du gesso sur les doigts. Donc voilà. Pour le moment, la composition. J'avais sorti un petit mot amitié que je voulais mettre, donc je l'ai sorti en deux couleurs, en beige, je sais pas si on va bien voir, et en blanc. Je vais vous mettre les deux, comme ça vous verrez bien la différence. Je sais pas en quel encore lequel des deux je vais mettre. Le beige, il va peut-être faire un peu fade. Alors, comme ma carte est quand même relativement colorée, autant je me dis que le blanc ressortira peut-être presque mieux. Et ça fera peut-être un rappel du bocal. Allez, on va prendre le blanc. Par contre, là, je vois que dans le E. J'avais toujours ma petite découpe. Voilà, ma colle fine, elle est là. Hop là, donc je vais le mettre comme ça. Hop là, voilà. Maintenant, je vais certainement y rajouter des petites fleurs, décidément. Alors attendez, c'est parce que j'ai les mains toutes sales à cause du gesso. Et donc ça a tendance un peu à accrocher. Alors, j'avais sorti encore des petites, un petit nœud, des petites fleurs. Donc mon petit nœud, il est là.
et j'avais sorti des petites fleurs toutes fines de chez Prima. Alors, ce qu'il faut peut-être que je vous dise, c'est que là, lorsque j'ai fait ma pochette, je n'ai pas prévu en fait de marge si jamais on veut mettre un peu de volume sur la carte. Donc moi, je vais être obligée de mettre des choses relativement plates. Si jamais vous voulez rajouter, enfin pouvoir mettre des choses sur lesquelles il y a du volume à l'intérieur, bon, vous voyez, ça en permet un petit peu, mais pas beaucoup. Il faut que vous rajoutiez un pli supplémentaire à de la hauteur qu'il va vous falloir. Donc, si vous projetez de mettre des découpes ou des choses volumineuses, par exemple à hauteur de 1,5 cm, il faut que vous rajoutiez un pli, par exemple de 2 cm, histoire de ne pas être embêté. Ce qui veut dire que au lieu d'avoir, donc là ça change pas, vous ne faites que un pli là. Par contre, de ce côté-là, vous en faites, donc vous gardez toujours votre même mesure et vous en refaites un autre de 2 cm plus loin, qu'il faudra également reporter sur ce côté-là. Donc forcément, votre carte en longueur ne fera pas 27 cm, mais elle fera plus, vu qu'il vous aurez, faudra prévoir les 2 cm d'épaisseur, voilà, mais c'est faisable. Donc ça, c'est vous qui verrez en fait si jamais vous voulez mettre des choses avec un peu d'épaisseur dedans ou pas. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser celle où il y a justement du volume. Parce que je l'aime bien, elle est jolie. Elle ressortirait bien, ouais. Je vais faire ça. Alors, je suis désolée, je dis souvent alors, hein, je m'en aperçois en fait quand j'écoute les tutos que je vous fais. On a des tics, des fois, on s'en rend même pas compte. Et je me suis aperçue que ma fille le dit aussi également beaucoup. Donc, comme quoi, elle l'a bien pris quelque part. Allez, je vais le tenir un petit peu. J'espère que ce tuto vous plaira. Vais en mettre une autre pour faire ressortir le mot amitié et remettre un petit peu de couleur sur ma carte. Mon nœud ne veut pas tenir. Alors, ma reprendre mes feuillages, je me demande si vers mon papillon je vais pas en mettre un petit peu dessous. J'ai peur qu'après ça fasse trop. Je sais pas, ça c'est trop fin. Je vais laisser comme ça. Il sera temps, si j'ai des regrets d'en rajouter, qu'une fois qu'ils y sont, après, c'est beaucoup plus compliqué pour les enlever. Donc,
je pense que le devant de mon ABC est quasiment fini. L, je vais les mettre de ce côté-là. Là. Et là. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais reprendre maintenant ma base. Et il me reste plus qu'à la coller dessus. Je crois qu'on arrive au bout de la colle. Donc ce que moi je vais faire, c'est que comme j'ai travaillé du coup sur du papier aquarelle, pour celles qui ont l'habitude, vous savez, ça a tendance, même si on essaye vraiment de faire attention, ça a tendance quand même un peu à gondoler. J'ai mis beaucoup de colle, donc je préfère étaler. Donc après, je vais laisser poser correctement. Si vos décorations ne craignent pas, vous pouvez même y mettre du poids dessus. J'ai pas de chiffon propre. Alors, attendez. Hop. Faites attention, là, vous avez mis vos découpes, hein, de ne pas les abîmer, évidemment. Voilà. Il me reste du coup à y mettre. Alors ça aussi, c'est un choix. Vous le faites pas. Moi, pour celle-ci, je vais le faire. Hop là, j'ai ouvert à l'envers. Je vais y mettre mon œillet. Alors, par contre, 4. Donc ça, c'est juste un petit repère pour qu'il soit au milieu. Le gros, il est là. Si je ne le vois plus. Décidément.
fait un petit peu d'épaisseur parce que comme j'ai mis le gesso, donc là je vais mettre un petit œillet blanc. Ça permettra à ma carte aussi d'éviter de trop bouger. Donc là, j'avais prévu un petit peu de ficelle et un ruban. Donc, je vais essayer de les prendre tous les deux au milieu et je couperai la partie qui sera de trop. Et voilà. Donc là, on va bien serrer nos rubans et notre ficelle. Voilà. Ensuite, je prends ma grosse paire de ciseaux. Lui, je décide de le couper volontairement un peu plus petit et je vais faire comme j'ai fait pour l'autre parce que je trouve que c'est plus joli. Je vais le dédoubler, le filocher. Et voilà notre ABC, donc notre artbook collector est terminé. Je vous fais voir à quoi elle ressemble. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous essaierez à votre tour d'en faire une. Bisous bisous!